Nous connaissons tout mich. cela. On se regarde le matin dans le miroir en pensant « Oh, un petit coup de fraîcheur ne te ferait pas de mal ». Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour un maquillage complet et bien sûr, on voudrait que ça ressemble à quelque chose. Alors, offrez à votre peau notre fond de teint minéral Aloe Mineral Makeup. Il est facile et rapide à appliquer, mais procure des résultats sensationnels en rafraîchissant et éclaircissant votre teint. Oui, et non seulement nous paraissons plus frais, oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit nous, car pour nous les hommes, c'est également un super produit, car il ne maquille pas en colorant, mais il permet à la peau de resplendir. C'est également un excellent soin pour la peau, car de la même façon que nous devons régulièrement consommer des sels minéraux de l'intérieur, ces mêmes minéraux sont également excellents pour la peau. C'est vrai, Ralph. En fait, le fond de teint minéral de Forever n'est rien d'autre que de la pierre en poudre. Des minéraux, donc, et c'est pourquoi il nous procure cet effet resplendissant. Imaginez-vous devant une falaise sur laquelle se reflète le soleil. La falaise brille alors à certains endroits un peu plus clair qu'à d'autres. Et c'est exactement ce qui se produit sur notre peau avec un fond de teint minéral. Dans la langue du maquillage, on appelle ceci le shiny effect, l'effet brillance. Et il paraît tout à fait naturel. Et puis, il est très agréable à porter. On n'a pas ce sentiment de porter un masque. Au contraire, on se sent frais et soigné. Le fond de teint Mineral Makeup de Forever existe en trois nuances. La plus claire étant Natural, article numéro 308. La teinte moyenne s'appelle Amber, article numéro 309. Et la teinte la plus foncée porte le nom de Caramel, article numéro 310. Le fond de teint minéral est utilisable de diverses façons. On ne l'applique pas seulement pour donner un petit coup de fraîcheur à notre teint, mais dans beaucoup d'autres circonstances. Ce qui est important, c'est de bien l'appliquer à l'aide du bon pinceau. Mais je vous propose de regarder ceci dans la pratique.